Bonjour tout le monde, nous revoici sur level 22 et on attaque le monde 3. Alors bon, voilà, vous voyez 7%, j'ai le petit œil parce que j'ai un peu déconné sur mon enregistrement passé. Donc je reprends, mais voilà, j'ai pas dépassé ce truc, pas de soucis. Marty, tu m'avais bien dit à droite, j'ai pas rêvé. Ouais, pourquoi? Non, pour rien. C'est juste que grâce à tes conseils de merde, je me retrouve au sous-sol là. Je sais pas si t'as bien compris le concept, mais moi, je voulais à la base, c'était monter. Le jeu s'appelle Level 22, mon gars. Le but est de sortir du bâtiment. Et de pas sortir du bâtiment. Ah, ok. Je vois d'où vient la confusion. Hey, hey. C'est tout bête, en fait. Voilà, quand j'ai dit à droite, c'était par rapport à l'écran. Par rapport au point de vue du joueur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je m'excuse. Je m'attrape en te sortant de là. Grâce à mes compétences de pirate informatique, je vais dénicher les plans du building sur le net. En un rien de temps, on va te trouver un raccourci jusqu'à ton bureau. C'est vrai? Tu te sens capable de faire un truc pareil? Non, pas vraiment. Dans tous les cas, je te promets de te choper la saison 5 de Game of Thrones. Juste au cas où tu aurais beaucoup de temps libre ces prochains jours. Ouais, voilà, je vais me faire virer. Et ça, pour hacker Game of Thrones, alors il y a du monde, hein. Ah, pour choper le dernier épisode qui vient de sortir, là, tout le monde est là. Hein. Ça, y'a pas de problème. Bon alors. Ah mais non, fais pas ça. J'ai vu un truc, SMB3. SMB3? Super Mario Bros 3. Ok. Oh. Non, tu n'as rien vu. Tu m'oublies. Des produits dangereux. Toucher à ce truc pourrait soit me donner des super pouvoirs, soit me rendre malade comme un chien. Je devrais essayer d'en faire ingurgiter à quelqu'un juste pour être fixé. Ah ouais, bonne idée. Bonne idée, mon gars. Ok. Metal Gear Solid 2. Ok. Non, non. Non, non, oh. Mais qu'est-ce que tu foutais là, loulou? Je trouve que ça se balade quand même pas mal, hein. C'est le parking, on devrait pas avoir grand monde. Non. La ventilation. Ou la gaine d'aération, peu importe. Ok, donc, pour la petite histoire, ici, il y avait Philippe. Ici, il y avait Philippe. J'étais arrivé jusque-là. Et alors, oui, j'ai chopé Julian. Il était dans les chiottes, Julian, je crois. J'avais loupé. Hyper fed by. Et Philippe. Philippe. Bon, bah voilà. Juste pour la petite info, hein, ça sert à rien, mais... alors... Donuts, donuts. Il va me voir lui. Derrière la fenêtre. Oh. Ok, ok. Ah non, mais pour les donuts, y'a aucun problème. Hein. Il voit à 3 km. Mais il a vu une ombre, il a vu que c'était moi. Il fait, oh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh, un donut. Ah, bande de branleurs. Voilà. Lui, il fait quoi? Non mais bouge. Non mais sérieusement bouge. Mais je... Bah merde, comment je fais? Un donut? Il va me voir. Non, il me voit pas. Mange tranquille. Bah non, mes couilles. Mes couilles sur ton nez. Ça fait un cocatrix. Bon, ok. Reprenons. Vas-y, vas-y. J'ai même le temps d'aller en chercher un autre. Oh putain, je fais le con. Ça passe. Faut sortir aussi. Faut sortir. Non. Ah. Ah, le truc radioactif peut-être. Le truc radioactif. Allez. C'est ça.
Donuts radioactifs, bah parfait. Un peu gluant, mais appétissant. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça va lui faire. Soit ça va lui donner super pouvoir, soit il va avoir la bonne chiasse, quoi. La chiasse de sa vie. Ah, il va peut-être sortir direct en mode vite. Je vois pas. Il est pas bien du coup. Oh non. Tout simplement. Bon alors le... Coucou. Le SMB, tout ça, Metal Gear Solid, j'imagine c'était pour le coffre-fort, mais alors j'y ai même pas pensé là. J'ai même pas eu besoin de réfléchir parce que le monde 2, je me suis fait chier à tout faire. Bon, pour vous dire la vérité, il y a un secret que j'ai regardé sur le net parce que ça me gonflait, j'ai pas compris. Et c'était super chaud, franchement, fallait vraiment aller bien le chercher. Les 3 autres, j'ai réussi, par mon propre chef, non, je reste là. Mais là, tout de suite, je pense que ça va être de plus en plus complexe. C'était que des trucs de lettres, hein. Monde 2, c'était que de la lettre. Je dis que, non, quasiment que de la lettre. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh là, il y a du monde. Lui, il y a les donuts. Il faut aller récupérer les donuts dans tous les cas. Il sort, hop, je prends les donuts. Je me planque. Il va pas me voir, je suis là, il me voit pas. C'est ok, ça passe. Bon, en bas, je pense qu'il y a rien. Les chiottes. Oh non. Pas le con, quoi. Les chiottes, est-ce qu'on peut y aller c'est safe ou pas? Il y a du monde aux chiottes. Hein. Non, mais bien sûr qu'il sort maintenant. Mais ouais. Bien sûr. Ah, c'est bon, j'ai mon donut. Je croyais qu'il fallait que je le refasse, mais non, c'est bon. Et à gauche, porte de sécurité. Bon, j'ai à droite, donc forcément à droite. Je te suis. Oh putain. Toi fais pas le con, hein. Sors pas comme ça. Je vais me planquer là en attendant. Tu te laves même pas les mains. C'est du propre. Alors je regarde s'il y avait des trucs planqués hein, de l'autre côté. Ah. La carte d'AC dans les chiottes, ouais, il y en a un qui l'a posé hein, pour poser sa pêche. Non, fais pas le con. Merde, deux. Eh bah ouais, ça puait, forcément que ça puait. Là, il y avait une chance sur deux. C'est bon, ils me remettent là avec la carte d'accès, c'est ok. J'ai envie de monter. Non, tu m'as rien. T'as rien vu. Eh merde, il y a un garde. Et non, tu. Le tapis roulant. Ok, va falloir emprunter le tapis roulant. Apparemment. Et le garde, il faut qu'il appuie sur le bouton. Apparemment, ça va être chaud. Non. Non, mais arrêtez d'aller aux chiottes. Arrêtez. Il suffit. Je vais même pas me planquer dans une voiture là. Si, une. Il va me falloir une carte d'accès. Bon, bah c'est bon, je l'ai. T'en vole pas. Bon alors. Comment ça... Qu'est-ce qu'il fait là lui? Il y a un truc à récupérer là, ça clignote. J'inverse le truc, mais alors... Ah si, je peux faire un truc là sur le côté. J'y vais. Ah, c'est beau. J'avoue qu'un petit laxatif, pourquoi pas. Et une gaine ventilation, on y va. Je sais pas pourquoi, mais on y va. Faut les donuts. Et je vais où là? Non mais... Là je peux me casser la gueule. Me casser la gueule dans les chiottes, ça m'intéresse pas. J'ai déjà vu tout ça. Là c'était le croisement, on est d'accord. Une figurine. Dans les canalisations, dans les aérations, pas les canalisations. C'est autre chose. Putain, ça doit vraiment être un sacré pote hein, pour faire tout ça. François! François, allez, viens. Tout ça, c'était pour la figurine, donc. Uniquement.
Je combine le laxatif avec le donut. Alors, je pose le donut. Je mets le laxatif dessus. Comment ça marche? Que faire? Non, mais jusque là, on était bon, mais qu'est-ce que je fais avec mon laxatif? Ne répondez pas encore une fois. Si je lui donne le donut, il va s'en aller. Je me planque, je passe derrière lui, j'appuie sur le bouton, mais je peux pas repasser. Je suis de la baise. Comment faire? C'est étrange quand même. Ça le perturbe pas plus, ça que je l'arrête, je s'en fous. Non, non, va dans les chiottes, ouais, c'est bien. Pour une fois, c'est bien. Je peux vraiment passer derrière lui. Salut, tu m'as pas vu. Il y en a un qui boit un café, un truc comme ça, que je dois lui mettre du laxatif dedans. Ça sert à quoi mon laxatif là? Il doit bien me servir à quelque chose quand même. Je peux l'utiliser nulle part. Non, 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 fais pas le con. Mets le verrou, on t'a dit mets le verrou. Je reste dedans du coup. Je suis coincé dans les chiottes, je suis flippé de sortir. Ouais, j'ai eu peur. Non, 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 non. Mais merde! C'est trop loin, non, trop loin pour lui ça. Testons des trucs après tout. Il a vu le donut, ça. Voilà. Là je passe dans son dos, paf. Non, monsieur. Panique, panique. On m'en met dans les chiottes, c'est bien, c'est parfait. Pardon, j'ai une chat dans la gorge. Toujours pareil, hein. Saloperie de bestiole. Non mais j'ai déconné. J'ai eu peur, j'ai appuyé deux fois. Laxatif maintenant. Mais je peux rien faire avec ce putain de laxatif. C'est fou. Si, il y a quelque chose à faire, c'est obligé. Pourquoi y aurait un laxatif? Non mais je me suis mis dans le mauvais. Je discute et voilà. Je revais dans les gaines de ventilation, c'est ça que ça veut dire en fait, je dois trouver un chemin peut-être. Mais elle est bonne ma technique là, je fais paf donut. Je passe dans le dos, c'est ok, si c'est trop loin pour toi, tu te fous de ma gueule. D'habitude tu le sens à 3 km. Bon, ramasse ça. Mets-le là. C'est ok. Personne qui va surgir. Mais là je passe mais une grille. Ah mais je passe même pas parce qu'il va dans le mauvais sens le tapis roulant. Ah quelle connerie. Ah mais non mais c'est pas possible. Ah je peux peut-être ouais j'en sais rien. Non mais non, je suis coincé. Non c'est bon. Non mais t'as rien vu toi, mais c'est pas possible, sérieux. Tu craques. Oh, ces mecs. Pas ici là. Est-ce que je peux aller par là? C'est une connerie. Non, 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 il va me voir. Ah ouais, ils sont taqués là. Pas le temps. Il y en a un qui rentre.
hein, qui sort tout de suite, pas le temps. Juste le temps de faire ça, quoi. Est-ce qu'il y a possibilité de se retrouver au-dessus du garde? Je sais pas. Hein. Mais à gauche, je suis allé à gauche, du coup. Je sais plus, moi. À gauche, y'a rien. Comme ça, on est fixé. Ah, c'est niveau hein, qui devient de plus en plus complexe en même temps, vous allez me dire. C'était pas prêt de se simplifier, hein, c'est sûr. Hein. Non, je peux pas passer au-dessus de sa tête, mais je peux tomber là. Mais là, ça me sert à rien. Je reviens. Je reviens sur mes pas. On a vu qu'il y avait un endroit où je pouvais passer par-dessus les chiottes, j'en sais rien. Je sais pas, je tombe et ouais, je tombe là, quoi, c'est tout. Ah, je peux tomber sur un mec, hein, je me dirais, mais... je vais peut-être trop loin. Toi, tu tournes, voilà. Non, non, mais... non. Ah, merde. Zut, zut. Non, non, non. Hop, 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 hop. Esquive, esquive, esquive. Mais non, mais c'est... Vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez. Comment je peux dire ça autrement? Ah, je reviens là. Je reviens là. Alors, admettons. S'il y a un gars qui va dans ce chiotte que je tombe, là. Est-ce qu'on peut le voir d'en haut? Je l'assomme. Je sais pas quelle finalité j'ai à faire ça, hein, mais... Donc je la somme en tombant dessus. Et paf le gars. Non non mais non mais vas-y pas tout de suite putain merde. Ah zut hein. Zut flûte. Non mais direct. Non mais ça m'évite de refaire le tour. Hop ils me remettent à la grille de ventilation. C'est parti. On refait notre petit tour. Il est sorti, c'était lui, non? Je repère les mecs maintenant. Dans quel chiotte qui va où? Alors, admettons. Mais je vois pas. Je sais pas s'il est rentré dedans ou pas. Je lui tombe sur les genoux, il est en train de poser sa pêche, forcément, et il fait non, non, ça passera pas, ça. Et on le comprend. Mais du coup, merde quoi. C'est fou quand même. Qu'est-ce que j'ai loupé? Vous le savez peut-être, hein, mais là je vois pas. Je fais passer le laxatif sur le truc et j'en sais rien. Parce que le laxatif, j'interagis nulle part avec. Nut nut, voilà quoi. Nut nut. Est-ce que je peux le mettre sur le passe? Non, 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 non. Je fais pas n'importe quoi. Bah attends. Non, rien. Rien n'y fait. Merde. Bon, je lui refais le coup du donuts déjà. Il n'y a pas une boîte, hein, nulle part. Hein. Sinon, je me mets en boîte sur le tapis et c'est ok. Hein. C'est ça. Ah, je peux mettre le laxatif dans les donuts, mais pas sur le mien, quoi.
Parfait. Je fais quoi avec ça? Il va. C'est bon. Ouais, il va shot direct. Logique. Non, 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 planque-toi, planque-toi. Mais c'est pas possible, sérieux! Et merde! Je m'étouffe! Tout est fait! Tout était fait là! La danse, hein. Belle danse. Voilà, le donut laxatif, on est bon. Et tout ce chiotte. Paf. Lui est toujours au chiotte, hein. Il va y rester un bon moment, je pense. Alors, j'ai pas regardé pour le coffre-fort, mais bon, vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûr. Ok, petite coupure, hein, passagère. C'est parti. Oh, du coup, on sait plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait tout noir? J'ai peur. J'ai peur, mon dieu, j'ai peur du noir. On sait plus à quel étage on est. Parce que là, au début ça allait, on passait d'étage par étage. Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais pas direct, déconnez pas. Ok. Je... Ah, d'accord. Je me cache. Et eux, ils font leur ronde dans le noir. Tout va bien. Je peux pas voir plus loin, ça l'arnaque. Ici, y'a rien, on sait pas. J'imagine qu'il faut que je me planque. Ou pas. Et à petit pas, petit pas. Petit pas, petit pas. Ah ouais, il y a toutes les portes. Il y a un garde, il y a un... Mais bah ouais, mais je l'ai vu en plus, je voulais pas ouvrir moi. C'est la dernière. Ah, il n'y a pas de checkpoint, il me remet au début, c'est fumier. Est-ce que je peux faire genre, je me mets là, il me voit pas? Je peux. Non, non, mais... Mais pourquoi t'es déjà là, toi? Ok, on l'a refait. Je me cache. Il fait noir, après tout. Non, non, mais non, mais... Mais non! Ok, maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça serait pour eux, parce que je me dis, voilà, on voit des marques, là, les couleurs peut-être, et correspondrait à un chiffre. Ah, les cons. Pour bien sûr le machin, le coffre-fort. Pourquoi je viens ici? Je sais pas, hein, j'ai vu qu'il y avait une porte, je me dis pourquoi pas. Là-haut, on voit que dalle. Le lance-gomme, ok. Ah, y'a un mec. Je suis allé là, tout à gauche. Ouais. Alors. Là, y'a un mec. Oh. Ça va qu'il y ait personne. Et ça, pareil, TI là. J'ai l'impression. Non, non, ça devient trop complexe, hein, les coffres forts. On va oublier.
Je peux aller là, mais on s'en fout. Y'a rien à voir ici. Là, je peux pas. On dirait que je peux. Là aussi, je pouvais. Aucun problème. C'est flippant, hein, dans le noir, comme ça. Ils sont cons. Ok, je lui fais le coup de la gomme. Non mais, je voulais pas, je ne voulais pas y aller. C'est tellement sensible. Paf. Je me cache derrière le poteau. Bon, celle-là, on sait, c'est la baise. Normalement, ouais, voilà, c'est la baise. Ici, c'est la baise. Il y a une petite figurine. Alors, c'est par derrière qu'il faut la voir. Bon, c'est par ici que ça se passe, du coup. Non, je vais me casser la gueule. Ah, ça faisait longtemps. Je commence à le trouver long, ce niveau. En plus, j'aime pas, je suis dans le noir. Ok, t'as quoi en réserve, là? Allez, on se gomme. Je vois pas ce que je vais pouvoir en faire dans le coin. L'ancienne gomme peut aussi servir à actionner des trucs à distance. Et c'est avec le premier machin que tu vois. Les trucs des machins. Tu peux pas être plus explicite, mon gars. Tiens, regarde. Ah oui, toi, tout seul, espèce d'ingrat. Ah non, mais ça y est, c'est vexé. C'est fou. Ah, je peux passer, là. Il se passe rien, ici. Surtout qu'on voit rien. Je peux utiliser celui-là pour l'actionner, j'imagine. Et je... Paf. Je sais pas ce que j'actionne en faisant ça. Je l'ai fait 3 fois, super. Ah, ça doit être celui-là. Voilà, c'est ça. Gauche, on pouvait pas, hein, parce qu'il y avait la figurine à gauche. Bah, je sais plus maintenant. C'est quoi ce tapis? J'ai l'impression que c'est une baise. C'est pas sûr, mais. Et j'y vais. Ouais, si, celui-là, je peux revenir. Ça, je vais me faire baiser à tous les coups. Ou c'est là pour la figurine, peut-être. Le bouquin. Ah, j'ai de quoi assommer les mecs, les distraire. C'est beau. Ouais, non, mais ok, celui-là, mais celui-là. Déjà, c'est pas mal. Eh, vas-y. Ça va pas dans le bon sens, attends pour moi. RH, on a vu les lettres là-haut. C'est peut-être ça, hein, mais... Pff. Du coup, je vais par là. Eh. J'avais dit que c'était de la baise, mais je pensais pas que ça serait de la baise comme ça. Celui-là, il sert à quoi? Ah ouais, non, c'est celui que j'avais de l'autre côté.
je suis paumé moi maintenant. Je dois aller où avec mon gros bouquin? Ok. Donc là, je suppose que je peux faire le tour. Hey. Ah bah ouais, direct grillé, forcément. Devant son nez. Mais ça me sert à rien de passer par ici. Bah c'est bien beau, mais après. Ah si, je peux lui faire le coup de la gomme, passer derrière lui. Oh, le truc. Lui, je l'assomme. Et lui? Quelle histoire, hein, ce Lucas! Quelle histoire! Alors, là, du coup, j'ai un truc. Est-ce que c'est dans le bon sens ou pas? Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut. C'est dur à lire par moment. Ça doit être bon. Vite ça! On prend ça. Lui, il n'a rien vu. Là, la sortie quoi, je me prends plus la tête, allez hop, je me casse. J'ai déjà la figurine, c'est déjà pas mal. Bon, donnez-moi un stage normal quoi, s'il vous plaît, voilà, merci. La porte est juste là. Mais forcément, lui, il va jamais bouger. On a des mouchoirs là-bas, je vois pas trop l'intérêt. Une boîte en carton, mais le mec ne bouge pas non plus, fixé à sa porte. Mais voilà, ce que j'arrête pas de le dire, mais merde quoi. Ah, allô Marty, il faut m'aider. C'est fichu. N'importe comment ici, c'est pas possible. Ce bâtiment ne peut pas être aux normes. Et puis alors, ces satanés tapis roulants, je peux plus les voir. C'est vrai que ça devient compliqué là. Le pauvre, comment ça pétait les plombs. Essaye de voir ces tapis comme une solution plutôt qu'un problème. Tu sais, même lorsque tu déplaces sur un tapis, tu peux toujours utiliser ces objets. Ouais. Non, mais j'ai pas d'objet, donc... Marty, là-bas, à droite. Petite pièce cachée. Qu'est-ce que c'est? La Batcave. Bon là en l'occurrence c'est un canard, donc un canard cave. Mais j'ai l'impression que c'est un canard ou je ne sais quoi. Ouais c'est ça, un canard. Ah c'est mignon. C'est mignon. Ça rappelle un certain canardman hein. Canardman mais en jaune. Bon bah ouais ok. Mais rien de plus hein, c'est juste pour le délire quoi. Bon c'est marrant. Et voilà on voit le A qui est barré. Donc si on compte MRTY peut-être ça fait... Mais non, non ça fait plus que 6 chiffres donc c'est pas ça. Bon maintenant, ici c'est niet. Là peut-être qu'il y a un coup à jouer. S'il y a une gomme, il y a une gomme, donc c'est ça, il faut jouer le coup. Oh t'as fini. Je peux y aller maintenant. Mais si je passe, il va me voir là. Il y avait un truc à récupérer sur son bureau, j'ai halluciné. Mais merde, mais là, du coup, je suis le con. J'ai peut-être juste halluciné, hein, mais.
pourquoi je veux le chatouiller. Ouais, j'essaye de passer comme ça, sur le côté, en vite fait. Ah non, même pas. Pas moyen. Merde, c'est... Bon, je vais jouer à la réglo, on va voir. C'est tout simplement ça, faut être réglo. Ah mais je pouvais passer là en fait, ouais c'est ça, il y a un moment où je peux passer. Il est juste, mais il y a un moment. Ouais il est juste, ça va en fait, hein, finalement. Fallait juste bien regarder quoi. Le tapis roulant, bon. Alors admettons, j'ouvre, je me fais griller. Direct ou pas? Ouais, ouais, direct. Donc je monte. Okay. Bah ouais, c'est bien beau, mais ça me sert à quoi? C'est quoi cette arnaque? Bon, admettons. Ils m'ont dit d'utiliser mes trucs tout en étant sur le tapis. Mais ça me sert à quoi de faire ça? Rien du tout, hein. C'est le seul passage. Y'a qu'une gomme à choper ici. Il y a des mouchoirs là-bas, mais est-ce que je peux passer vite fait? Non, bah non, c'est mort. Il me voit de loin, il me voit de loin. Bah la belle blague, je suis bloqué. Je pensais pas pouvoir être bloqué à ce jeu. Ouais voilà, lui, pas le choix. Mais lui, un carton. Ah mais connard, par derrière, c'est pas un mur, c'est un petit muret. Voilà, j'étais bloqué, mais pas trop longtemps, quoi. Et maintenant, je fais comment? Il va me voir. Non, il me voit pas. Paf. Compliqué, hein. Donc, j'active ceci. Je monte, je me mets comme ceci. Discrètement dans ma boîte. Ça passe. Bon, arrête avec ta boîte, s'il te plaît. Ça devient ridicule. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Le garde. Le garde va me griller et surtout que lui, il s'en tape de la boîte. Hein. Royalement, il va me griller même si je passe en boîte. Donc on fait hop, paf, vite. Vite. Revite. Ok. Jusque là tout est bon. Lui, si je vais là, il va me voir. On a une centrale électrique en bas là. Ok, on a le compteur. Ou je ne sais quoi. Forcément, faut que je passe là. Non! Ah, ça va! Alors. J'ai trouvé un panneau électrique. Tu crois qu'il y a moyen de faire des trucs marrants avec? Bien sûr!
Essaie de provoquer un cours circuit pour voir. Mais fais gaffe, ça va forcément attirer l'attention d'un agent d'entretien. Reste pas dans le coin. Comment ça, un court circuit? Avec du café? Je vais prendre sa thermos. Pas moyen. Ah, je vais dire. Mais qu'est-ce que c'est? Je peux pas passer normalement. Je viens de créer un bug. Merde! Je viens de créer un bug. Mais ouais, je suis bloqué. Je n'ai pas le droit de passer normalement. Grille-moi. Tu m'as grillé tout à l'heure, voilà. Que je puisse... Merci. C'est gentil, coup de bol. On puisse se sortir de ce traquenard. Ah, le café. Arrêtons avec nos conneries. Le café, lui, il va aller voir, il va aller chercher un petit café un moment. T'as un truc hein, dans ton bureau. Il bouge pas. Qu'est-ce que... Ah, il me voit par la petite fenêtre. Eh, il y a une figurine ou j'hallucine? Ah ouais, il y a une figurine. Il y a 10 fois une figurine, mais... Il est au taquet à sa fenêtre. Non, mais pas de problème. Quoi? Ah merde. Pas de problème, mais si en fait. Je pensais pouvoir lui mettre un coup de gomme, mais non. En lose! En lose avant le game over! Dralux! Bon, ça doit pas être la technique officielle, hein, mais on va dire que c'est ok. Et là-bas, si je passe là le long, c'est bon. Voilà. Donc. Et là, ça va vers lui. Quel intérêt que ça aille vers lui? Qu'est-ce que j'ai à foutre là-haut, là, dans ce coin? Rien. Hein. Faut que je... Ah, mais si, c'est peut-être l'entrée du tapis que je dois prendre. Ouais. Bizarre quoi. Ah oui, il est parti où lui? Ah bah finalement à un moment il se barre pour un café. Ah non, il se prend pas un café, il se prend un... il se prend un truc à la machine. Ok, ok. Mais je le refais comme un con. Je suis vraiment un connard hein. Bah ouais, grille-moi s'il te plaît. Mais ouais, c'est... le bug est... Voilà. Le bug est facile à faire. Bon, le café, mais le café il doit servir à un truc à un moment, non? Je comprends pas pourquoi j'ai du café. Y'a rien dans ton truc. Oui, bah, café. Alors, c'est celui-là que je dois prendre de tapis roulant. Mais, il faut d'abord que j'active ce truc-là. Et donc, d'où l'intérêt? Ok, je viens de comprendre. Je sais pas si c'était clair, mais je viens de comprendre. Alors, je fais vers le garde, mais le but, c'est de ne pas aller vers le garde. J'imagine. Hop. Non, j'ai... Ah, merde, il est pas dans le bon sens, mais non, c'est normal. Alors, ah ouais, mais il y a ce garde-là. Oh, ça va être tendu, hein. Donc, un coup de gomme. Il se tourne, je passe. Et lui, le carton. Hop, la gomme. Deux fois. On sait pas pourquoi. Et merde, le carton, le carton. Le carton, couillon. Ah là là là. La gomme. On se met tout de suite en carton. Mais alors, il est où le tapis? Il est là-bas à gauche, mais je peux pas le voir quand je tape la... C'est l'arnaque. Ah si, si. Je le vois ici. Hop, c'est bon. Je l'ai remis dans le bon sens. Maintenant, il va vers le... Vers tout là-bas. Et là, il faut que je réactive. Ça, hop, dans l'autre sens et on est reparti. Hop. Le coup de la gomme. Vite, tourne-toi, tourne-toi, tourne. Ok, ah, je peux court-circuiter ça, c'est vrai. Il y avait ça à faire. Ah non.
Ah, c'est ça qu'il fallait faire en fait. Ah, j'ai foutu la merde. Ah ouais, mais il y a un agent d'entretien, il a dit qu'il arrivait. Vite, je me casse, j'espère que je vais pas me faire griller. La boîte. Dans le doute, la boîte. Est-ce qu'il... Ah, tout le monde se demande ce qui se passe. Bah forcément, tout le monde est dans le noir. J'ai foutu ma merde. Eh mais du coup, il est plus là, lui. La lettre T a été raturée, comme le A de l'autre côté. Donc, c'est bon, je peux me casser, en fait. Je sais pas où il est parti, là. Il y avait un loulou, là, mais c'est bon. En même temps, j'avais pas de quoi le gérer, lui. Bon, et le boss? Gary, d'après mes calculs, tu dois plus être loin de ton bureau. Glisse-toi dans le premier conduit d'aération que tu trouves. Il va t'en aller directement à la section de recherche et développement. Recherche et développement. Mais c'est tout près de mon bureau, là. Je recommence à y croire, là. On y est encore. Reste concentré, mon gars. Ok, je reste concentré. En un seul mot. Alors, le radioactif, non, on peut rien faire. Bon, bah voilà, gain de ventilation. Je me casse la gueule et on se retrouve. Mais c'est pas possible, où est-ce que je suis tombé encore? C'est quoi ce machin? Quoi? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Il y a un gros bonhomme tout en noir. Et fait quoi le bonhomme? Il veut des trucs. Non, c'est pas possible, pas lui! Arrête avec tes effets, tu commences à me faire flipper là, vas-y. Annonce. C'est quoi ce gus? C'est le Nils. Nils. Hein? Une légende raconte que cet esprit difforme est reclus dans les souterrains. On dit qu'il n'a jamais vu la lumière du jour et que son existence n'est vouée qu'à un seul but. Détruire les documents compromettants de la société. Dieu sait que ça doit lui donner du boulot, gars. Ne le prends pas à la légère, Gary. Il va être un adversaire redoutable. Un adversaire digne de moi. Je m'en vais lui botter ses fesses. Toute ronde, bah toute ronde, voilà. On va voir, il s'avance un peu. J'en peux plus des sous-sols et de l'obscurité. T'as déjà un plan? Carrément, ouais. Je vais improviser. J'ai repéré les produits explosifs pas loin et va avoir droit à un feu d'artifice. Ouais, ok. Ne l'attaque pas de front, tu dois détourner son attention d'abord. Gary, tu m'entends? Ok, alors. Les produits. Les explosifs. Ici, qu'est-ce que... Ah! Il me voit dès que je suis dans la lumière, j'ai l'impression. Donc, ah mais non, mais... Va en enfer! Je reste là. Ok, je suis dans l'ombre, c'est ok. Il va ouvrir à droite maintenant. Oui, on le voit en fait. Ouh, c'est juste. Je fais comment du coup maintenant? Ouais, bah je vais me coller dessus, forcément une grille, hein, connard, connard man. Ah, c'est pas possible. Y a rien d'autre. Ah, si, y a un truc là-bas. C'est peut-être là-bas. Alors. C'est où? C'est où? Je vois rien. Et merde! Ah, c'est un cycle défini! Je pensais que c'était aléatoire, mais ça a l'air d'être défini. Donc là, à gauche, au milieu et après à droite. Mais après, c'est surtout le après qui m'intéresse. On voit pas de différence? À gauche, j'imagine. Non, à droite. Ah, la soupape, c'est bon, c'est bon. Hop, je mets ça dedans, il va rien voir. Putain, vite, planque-toi. Paf, dans sa gueule. Eh ben. on est pas fini. Ouais, vite, vite, vite. Et à un moment, il va changer son cycle, hein, forcément, ce con. Ouf. Prends, prends, on t'a dit. Vite, 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 vite. Et merde! Il reprend toute sa vie, c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté du boss. Il faut être patient. Et là, là tout de suite. Ouais, je peux être là, hein. Y a aucun problème, il me voit pas. Ne pas aller trop
trop loin dans le dessous, il y a un plus grand angle de pour me voir. Vite, dépêche-toi. Hop, au milieu. Bon, ça se suit, hein, gauche-droite, droite-gauche. Hein. Si vous m'avez suivi. Paf. Petit coup de soupape. Les explosifs. Paf dans ta gueule. C'est tendu, hein, parce que je reste toujours jamais planqué. Si je change, je me fais baiser, hein, automatiquement. Un dernier pour la route, mais ça a l'air d'être bon. Hein. C'est juste qu'il faut pas trop chier dessus niveau timing, quoi. Ok. Je veux dire, c'est bon, hein, maintenant je peux rester dans les miens. Oh, je lui ai botté ses petites fesses rondes. C'est lui qui a dit, pas moi. Donc faisons le point. On a eu tous les figurines. Tout de même. Le boss est fini. Monde 4. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est les bas-fonds, le problème qui va intervenir? On sait pas. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir de faire ça. On va le torcher vite fait. Après je repartirai sur Don't Star, vous inquiétez pas. Merci d'avoir regardé. Allez, à bientôt, salut.